avec 150 mètres. Oh, il serre les dents. Thibaut Pinot va-t-il pouvoir déborder? Il est à l'extérieur maintenant. Thibaut Pinot lance le sprint. Maintenant à l'extérieur, il fait un petit peu plus de chemin, mais il passe devant. Il va le faire, Thibaut. Il va aller chercher cette victoire. Il va aller chercher cette victoire après laquelle il courait depuis déjà hier. Et bien voilà, ça y est, c'est fait. Plus de 1000 jours après son dernier succès au Tourmalet, il remporte une nouvelle arrivée. Une arrivée ici au sommet de cette côte devant David de la Cruz. Quelle frustration, enfin évacuée. Et l'arrivée est en vue maintenant pour Thibaut Pinot. Imaginez un peu Thibaut Pinot qui va s'imposer dans quelques instants. Il avait dû attendre plus de 1000 jours avant sa dernière victoire, avant d'obtenir une nouvelle victoire à Linz sur le Tour des Alpes en Autriche. Et sa dernière victoire d'ailleurs sur ce Tour de Suisse, c'était également en Autriche, à Zolden, sur le glacier de Zolden, il y a 7 ans. Eh bien, il renoue avec le succès dans ces Alpes ici. Eh bien, la victoire ici au Liechtenstein dans ce Tour de Suisse de Thibaut Pinot qui s'impose.